Pour le guide de cette année, nous avons voulu mettre le focus sur des sujets qui sont innovants pour les annonceurs, pour les marques, et qui sont des sujets dont tout le monde parle, mais dont on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément bien pris en main par les marques, ou disons, il y a une complexité de mise en œuvre qui nécessite un peu d'explication et de pédagogie. Donc effectivement, on a choisi trois sujets qui sont liés à la fois à la génération de trafic, par exemple les synergies SEO, SEA, puisque Activis, qui fait partie de la DLP Digital, est une société spécialisée en search marketing. Et puis du côté de Converteo, qui est un cabinet de conseil en stratégie digitale et cross-canal, on a choisi de parler de la mesure du parcours cross-canal des consommateurs, qui est un sujet souvent évoqué, mais dont la méthode et l'application est souvent difficile. Et puis un dernier sujet qui est lié au data management platform, qui est un sujet aussi très très en vogue, dont tout le monde parle, mais dont finalement la maîtrise ou les moyens sont difficiles à ranger dans le bon sens pour savoir par où on commence et ce que ça pourra nous apporter dans l'avenir et quels investissements y consacrer. Ma vision à 6 mois du marché, elle tourne principalement autour de la data, puisque c'est vraiment un sujet aujourd'hui dont tout le monde parle, tout le monde se pose des questions entre big data, smart data, DMP, data lake, voilà. C'est vraiment des sujets qui sont sur la place publique depuis un bon moment et dont beaucoup de gens se posent des questions, sur lesquels beaucoup de gens se posent des questions. Mais effectivement, aujourd'hui, ça devient de plus en plus concret. Il y a aujourd'hui de plus en plus de projets qui sont mis en œuvre et on commence vraiment à faire parler la donnée et c'est ça qui est intéressant. Donc, nous, on accompagne les marques sur la mise en place de ces projets, sur la définition, le cadrage et la mise en œuvre des différentes solutions possibles. Et ensuite, sur l'exploitation et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut faire de cette data sur le média, sur de la génération de trafic, sur de la conversion et sur ensuite, évidemment, de la fidélisation puisque la donnée client est au cœur des sujets. Alors, bien sûr, il y a toute la big data où il y a plein d'autres données qui viennent nourrir tous ces aspects-là, mais nous, on travaille principalement aujourd'hui sur la donnée client, la connaissance client unifiée et comment créer de la valeur autour de cette donnée. C'est un guide assez indispensable qui grossit d'année en année, en tout cas qui est assez étoffé avec plein de sujets différents qui couvrent de larges champs et c'est pour moi un guide référent qui permet d'aller piocher ou des cas ou des infos sur certains sujets. Puis c'est aussi un guide qui permet de bien connaître son univers de concurrence tant pour les marques que pour les entreprises qui travaillent dans ce secteur. Donc c'est assez indispensable, je pense, de l'avoir dans sa bibliothèque ou sur son bureau.